Kagame, Museveni, Ruto, manipulation et déstabilisation de la RDC pour leurs intérêts avec le M23. Le M23 est vraiment un problème politique qui peut être résolu par la discussion. Nous encourageons cette approche car il est possible de s'entendre avec ces gens. Cependant, S'ils ne veulent pas discuter, alors nous les considérerons comme une force négative et agirons contre eux. Pourquoi ne pas leur proposer une solution finale, leur demander de s'accorder, puis, s'ils refusent, nous saurons quoi faire. Mais pour l'instant, vous dites qu'ils devraient venir et que nous devrions discuter plus tard. C'est pourquoi j'ai demandé directement au président, en face à face, s'il reconnaît le M23 comme des Congolais ou s'il s'agit de personnes venues d'ailleurs, notamment du Rwanda, et qui se sont retrouvées illégalement au Congo. Sa réponse, en présence d'autres dirigeants, a été qu'il reconnaît ces personnes comme des Congolais. Lui-même a déclaré que ce sont des Congolais, ce qui est bien. Il était important pour lui de clarifier cela. Lors d'une réunion des chefs d'État, nous avons demandé si les gens du M23 sont des Congolais. Et la RDC a répondu que ce sont des Congolais. Fin de say, la question. These are Donc, si ce sont des Congolais, comment cela so, devient-il un problème Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas. Pour négocier. Jamais. Lorsqu'on entend Mousseveni, Kagame et Ruto parler de M23, il devient immédiatement clair qu'ils agissent de concert contre la République démocratique du Congo, RDC. Ces trois dirigeants, souvent perçus comme des marionnettes de l'Occident, sont utilisés pour piller les ressources africaines tout en maintenant les Africains dans la pauvreté. Les Congolais, dans leur grande majorité, sont pleinement conscients de cette réalité. Ils voient à travers ces manœuvres une tentative désespérée de contrôler la RDC sous couvert de préoccupations sécuritaires. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, est lui aussi au fait de cette conspiration. Cependant, il semble avoir une stratégie pour contrer ces trois marionnettes, ce qui est inquiétant. C'est la manière dont les agents de Kagame, présents sur les réseaux sociaux, reprennent inlassablement les mêmes propos que ses dirigeants. Ils accusent Tshisekedi d'avoir affirmé que les rebelles du M23 sont Congolais. Mais même si cela était vrai, pourquoi ces trois marionnettes se sentent-elles obligées de s'immiscer dans une solution qui ne concerne en rien leur pays respectif? En effet, si nous appliquons leur logique à leur propre nation, Kagame devrait alors s'asseoir avec les FDLR et leur accorder ce qu'ils demandent. Museveni, de son côté, devrait négocier avec les ADF. Quant à Ruto, il devrait tout simplement démissionner, comme le réclament les jeunes au Kenya. Ces trois dirigeants feraient mieux de se concentrer sur les problèmes internes de leur pays plutôt que de s'ingérer dans les affaires de la RDC. Au cœur de cette situation se trouve Kagame, dont les actions ont semé l'instabilité dans toute la région des Grands Lacs. Depuis des décennies, il a manipulé, armé et soutenu divers groupes rebelles, dont le M23, pour avancer ses propres intérêts. Son objectif n'a jamais été de stabiliser la région, mais de renforcer son emprise sur les ressources de la RDC tout en déstabilisant ses voisins. La collaboration apparente entre Museveni, Kagame et Ruto ne fait qu'accentuer l'idée que ses dirigeants sont plus intéressés par le pillage des richesses congolaises que par la paix et la sécurité. Le peuple congolais, néanmoins, reste vigilant et continue de lutter contre ces ingérences étrangères. Tshisekedi, bien qu'il soit conscient de ses manœuvres, devra renforcer sa stratégie pour protéger les intérêts de la RDC et assurer un avenir de paix pour son peuple. En conclusion, il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse Kagame pour ce qu'il est, un acteur clé dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Tant que ce dernier continuera à manipuler les événements pour son propre bénéfice, la paix en Afrique centrale restera un rêve lointain. Il est temps pour les dirigeants africains de se concentrer sur la résolution des problèmes internes de leur pays plutôt que de chercher à s'ingérer dans les affaires des autres, surtout lorsque cela ne fait que semer davantage de chaos et de souffrance.